Noumane, le seul youtubeur qui n'a pas d'intro, qui s'en est fait une avec un dessin tout pourri en chantant n'importe quoi. Ta-da-ta. Allez, mais c'est Noumane, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va jouer avec une doublette d'attaque qui nous a fait chier l'année dernière, mais qui nous a fait chier. Je vous montre ça tout de suite. Victor Ibarbo et Seydou Doumbia. Le Victor Ibarbo qui est sorti en version BU, en version Boost, il y a de ça, dans, je crois que c'était il y a deux Team of the Week. Je voulais les associer. Je sais bien que certains vont dire ouais, mais tu sais comment tu fais tu pour jouer avec ça. Après, les gens ils vont jouer toujours avec ces joueurs cheatés, ça va nous pourrir le multi. Ta gueule. Et donc, je me suis rappelé que c'est vrai que l'année dernière, ils nous avaient un peu saoulé ces deux-là. Et je me suis dit, on va voir un peu si cette année ça change vraiment les choses ou si c'est toujours aussi intéressant de jouer avec ces deux joueurs. Non, c'est surtout qu'au final, j'avais aucune idée de ce que je pouvais faire comme vidéo, donc je me suis dit, on va faire ça tranquille au KLM. Et donc, on va bien voir. Alors, donc, je l'ai mis dans une équipe de série A, où je suis en train de regarder, le mec, il sait même pas. Oui, c'est série A avec, alors pour ceux qui cherchent, hein, lui, il s'appelle Valois, voilà. Gaucher de son état, colombien pour faire le lien. L'hyperlink, oui, on est spécialiste fut, bien évidemment. Non, c'est parce que j'entends tout le temps Ronny dire ça, donc je pense que ça doit être ça. Donc, il fait le lien avec Victor Ibarbo, une série A avec cette doublette d'attaque maudite pour mes adversaires. On va voir si ça marche aussi cette année. Let's go! Je vais pas vous mentir, je pense que j'aurais dû aller faire caca avant le match, parce que là. 2 hours later. Bah oui, tu crois quoi? Tu crois que parce qu'on est des youtubeurs, on est spécialement mondialement connus, qu'on fait le tour du monde en roulant Ferrari et en étant dans des yachts avec des top modèles sur la plage? Non, on fait aussi caca. C'est ça l'avantage d'avoir 2000 abonnés, c'est que tu peux partager ma vie de youtubeur mondialement connu sur Nivillac, dans le 56 principalement. Son équipe est intéressante, on voit qu'il a mis deux flèches devant avec Thomas Müller pour distiller des passes. Je connais pas du tout. Oh putain la vache, je viens de voir. Ouf, ça pique les yeux là. D'un coup, je sais pas si vous avez vu, j'ai eu un haussement du sourcil. Il a mis un MOC en défenseur central. On va voir un peu comment ça se passait. C'est parti, Arjen Fortuna. Je sais pas comment ça se prononce. Oh, il est passé devant Thomas Müller. Thomas Müller, Müller. Bah oui, il y a 1-0 directement. Première frappe, première occasion. Je surpoche le ballon. 1-0. Oh bah, Meyang est costaud en plus d'être rapide. Oh, Thomas Müller, Ryan Robben. Ouf, c'est chaud. Ouais, tu t'es pas trompé de côté, Robin, là? Ah oui, hein, bah au bout d'un moment. Voilà, allez, c'est parti, on l'a pris juste devant pour ses 4 étoiles de jeu technique. Le père, Ibarbo. Allez, Vincent, Victor, on s'en fout, mais putain! Comment tu fais pour louper ça, Victor? Allez! Hop là, et c'est Valois! J'ai fait un hop là, un, dos, tres! C'est Valois, gaucher qui marque du droit, joueur argent. On ne dira rien. Cette ouverture, parce que Ibarbo et Valois ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, donc j'avais persuadé que c'était lui qui avait marqué. Pas du tout, petit plat du pied magnifique à la Blaise Matuidi, et pause, forcément. Joli ça, c'est ça le filou, il voulait faire rentrer son Chiellini en prêt, quel renard! Allez Victor, cette fois-ci! Yeah, yeah mais oui, Ibarbo, tranquille, easy money. Il ressemble trop à Mamé Diouf, c'est pour ça que tu les confonds tous les deux. En tout cas, notre Victor Ibarbo national qui s'est dépatouillé. Alors, je sais pas comment il a fait, parce que j'étais persuadé. Hop, super petit crochet, frappe n'importe comment en pleine lucarne, c'est Victor Ibarbo. Ça sent quand même beaucoup le cheat, quand même. Allez, attention, encore une fois. Non, pas comme ça! Mais non, comment tu peux encore te prendre des buts comme ça? Je crois que c'est les buts les plus énervants de ce FIFA. Le défenseur qui a le ballon, qui se retourne et qui donne la balle à l'attaquant pour qu'il marque dans le but vide. De partout! Joli ça. Oui, c'est ça qu'on veut. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Y'a faute! Mais oui, 4 étoiles de geste technique, les deux loulous, je vous rappelle quand même devant. Bon, match équilibré, plus ou moins, on n'a pas trop le ballon, on voit qu'il a frappé une fois de plus que moi au niveau des tirs cadrés, mais ça fait 2-2, c'est le principal, on peut encore gagner. Voilà, allez. Ah bah, il est peut-être gaucher aussi, Victor. Hop, il a de la chance, mais oui, mais c'est Victor, tu peux rien faire contre Victor. Il nous fait tout à la confettise, années 90, le début de la dance music, les enfants, vous avez pas connu, c'était génial. Tout le monde se baladait à poil, c'était l'extase. Donc, Victor Ibarbo qui nous met son petit doublé, play, plat du pied, oh, contré par là. Tout va bien avec Victor, tout va bien. Alors, on n'a pas encore vu Doumbia, est-ce qu'il s'est tiré les coups francs? Pourquoi pas? Allez, de toute façon, il va mettre son mec dans la surface. Oh, elle est pas mal encore une fois. Allez, Valois. Ben oui. Allez, on enchaîne. Ça se passe bien, je suis content. On a vu que le coup franc était pas dégueu. Je voulais faire briller un petit peu le père Doumbia. Elle était belle, franchement, elle était belle. Il a des stats dégueulasses, mais ça suit derrière. Et encore une fois, du plat du pied droit, alors qu'il est gaucher, le père Valois qui lui met son petit doublé. 4-2. Quakers. Et non, justement, c'est la contre-attaque du coup. Allez, court petit, 4 étoiles de geste technique.
Il sort son gardien? Non, il sort pas son gardien. On va lui faire faire quoi? On va faire lui un arc-en-ciel. Loupé, c'est pas grave. Stop and turn? Non, toujours pas. Voilà, stop and turn, il est passé. On lui remet un petit deuxième pour le plaisir. Pour le plaisir, comme dirait Herbert Léonard. La frappe! Dommage! Doumbia, je le sens bien comme ça. Allez, pourquoi pas? Bing! Wouh! À la Ric Flair. Celle-là, il faut aller la chercher. Ah, il m'a eu. Ah, il me l'a mise. Ah, poula, la patate. Dommage. Je le sens bien, Doumbia, sur les coups francs. Je le sens bien. Il est blessé, mais on s'entend pas. Regarde ça, ce renard, comment il met son joueur dans. Hop! Bloc. Bien joué, ça. Ça joue tranquille avec Abatté. Allez! Oh, dommage, Doumbia. Ah, j'avais voulu faire un retourné, il a pas prise. Ça se termine là-dessus, donc victoire 4-2. On a vu quand même que voilà, c'était quand même toujours assez efficace. Je vais laisser dérouler et on va aller voir les stats générales du match. J'ai fait quand même quelques matchs avant, parce que comme je l'ai dit, hein, ça sert à rien de faire un pseudo-test. C'est pas vraiment un test, je vous montre un peu comment ça peut se jouer. Si tu fais pas d'autres matchs avant pour avoir un petit peu ton mot à dire à la fin. C'est moins flagrant quand même, beaucoup moins flagrant, même si on voit que là, ils ont quand même marqué que l'année dernière, où c'était franchement deux tueurs en série. Le Perry Barbeau, on sent un peu plus que sa finition est un peu dégueulasse. Si je devais choisir un des deux en disant que c'est le plus cheaté, entre guillemets, je prendrais quand même Doumbia. Et Barbeau, je crois que c'est les deux seuls buts qu'il m'a mis ou il en avait mis un avant. J'avais fait 7-6 matchs avant. Un seul but en 7 matchs, c'est pas énormissime. Donc voilà, ça nous rappelle un peu de, j'allais dire, de bons souvenirs. Non, de mauvais souvenirs, parce qu'on en avait pris un paquet. Doumbia Futise. Mais quel joueur c'était Doumbia Futise, le cheat à l'excellence. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Petite victoire avec le duo de l'enfer, le duo qui nous a tant fait chier l'année dernière, Ibarbo, Doumbia. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Salut tout le monde!